Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le dimanche 25 novembre 2018. Une nouvelle journée s'annonce. Après une grande débâcle et un grand massacre hier soir, enfin hier, toute la journée, sur les Champs-Élysées. En revanche, dans d'autres zones de Paris, dans d'autres arrondissements, pardon, parisien, il y a eu des manifestations, dont celle de la Marche Blanche. 2000 policiers ont défilé pour soutenir leurs collègues, suicidés comme Bérégovoy, je le suppose. Bon, ce qui est regrettable, c'est que ces 2000 policiers auraient pu enrichir les rangs du peuple. Mais oui, parce qu'ils font aussi partie de ce peuple. Alors, si chacun va faire ses revendications une fois ici, une fois là, moi je vais revendiquer pour le port du slip à l'école, moi pour le port du caleçon, moi pour... Faut arrêter là. Les gilets jaunes, c'est une revendication nationale et générale. Alors, messieurs les policiers qui avaient manifesté les 2000, vous avez commis une bourde, ou alors vous étiez d'accord avec vos collègues pour qu'ils aillent massacrer le peuple. Dans les autres arrondissements de Paris, des manifestations qui se sont très bien passées, il n'y a pas eu de problème. Il a fallu que ça soit aux Champs-Élysées et on en parlera au long de cette capsule que je fais toujours en hommage aux gilets jaunes pour lesquels j'ai le plus profond respect et que je soutiens de tous mes voeux. Je vais vous lire un tweet. Un tweet. Un cuicui en fait. Merci à nos forces de l'ordre pour leur courage et leur professionnalisme. Honte à ceux qui les ont agressés. Honte à ceux qui ont violenté d'autres citoyens et des journalistes. Honte à ceux qui ont tenté d'intimider des élus. Pas de place pour ces violences dans la République. Posté hier à 19h17, le 24 novembre 2018, par un certain Emmanuel Macron. Le problème, Emmanuel Macron, c'est que les discours et les écrits restent. Et là, ce que vous dites, c'est assez révélateur. Honte à ceux qui ont violenté d'autres citoyens. Vous parlez de ceux que vous avez envoyés pour massacrer le peuple, sans doute. À cela, je vais laisser Victor Hugo répondre à ma place. Il est bien mieux placé que moi, car lui était député, écrivain, auteur. Vous venez, avec le concours de la garde nationale et de l'armée, avec le concours de toutes les forces vives du pays, de raffermir l'État ébranlé. Vous avez sauvé la société régulière, le gouvernement légal, la paix publique, la civilisation. Vous avez fait une chose immense. Eh bien, vous n'avez rien fait, non. Messieurs, vous n'avez rien fait tant que l'ordre matériel raffermi n'a pas pour base l'ordre moral consolidé. Vous n'avez rien fait tant que le peuple souffre. Tant qu'il y a au-dessous de vous une partie du peuple qui désespère, tant que ceux qui pourraient travailler et demandent à travailler ne trouvent pas de travail, tant que ceux qui sont vieux et ne peuvent plus travailler sont sans asile, vous n'avez rien fait tant que l'usure dévore nos campagnes, tant qu'on meurt de faim dans les villes, vous n'avez rien fait tant qu'il n'y a pas de loi évangélique qui vienne en aide aux familles honnêtes, aux bons paysans, aux gens de cœur. Vous n'avez rien fait tant que l'homme méchant, dans l'œuvre souterraine qui se poursuit encore, a pour collaborateur fatal l'homme malheureux. Et il conclut: Ce n'est donc pas votre générosité, pas, excusez-moi, ce n'est donc pas à votre générosité que je m'adresse. Je m'adresse surtout à votre sagesse. C'est l'anarchie qui ouvre les abîmes, c'est la misère qui les creuse. Vous avez fait des lois contre l'anarchie. Faites-en contre la misère.
Alors, monsieur Macron, peut-être oserez-vous répondre à ces paroles de sagesse d'un des plus grands auteurs français. Aujourd'hui, et c'est moi qui reprends le texte à présent, j'ai mal au cœur. Ouais, moi j'ai le cœur qui saigne. J'ai mal à l'âme. J'ai envie de pleurer. Mais le cri profond dans ma gorge brûle de sortir. J'ai envie de hurler l'horreur à laquelle j'assiste, et j'ai assisté hier. J'ai envie de hurler mon dégoût absolu de ce gouvernement, de fantoche, de poupée de cire, gonflée à l'haleine de cadavres. J'ai envie de dire que le président français et son gouvernement sont des lâches, manipulateurs, accompagnés de leur putain, la putain de Babylone, la presse, qui traite les gilets jaunes de djihadistes. Et après, monsieur Macron, vous vous étonnez que les gilets jaunes crachent sur la presse. Elle le mérite. Car cette putain de Babylone vous sert et ne sert pas le peuple. Il n'y a plus de presse libre dans ce pays. Qui l'aurait imaginé? Qui l'aurait envisagé? Vous, sans doute. Mais pas moi. Qui est le plus terroriste? Le gouvernement Macron qui trahit son peuple ou ce peuple qui se défend avec son courage? Aujourd'hui, messieurs Macron et Castaner sont entrés au panthéon des assassins. Et j'ai encore cette envie de dire à ceux qui brisent le courage des gilets jaunes, à ces traîtres collaborateurs, ces prétentieux arrogants du faux savoir, mauvais écrivains, faux gourous spirituels, vendeurs de babioles intellectuelles aux crétins, je vais leur demander de se taire, plutôt que de salir la beauté d'un mouvement populaire, sincère et vrai, car ils n'ont aucune dignité face au drame qui se déroule sous nos yeux, sous leurs yeux. Ce sont des révolutionnaires du canapé et du clavier, mégots au coin des lèvres, à se prendre pour les snobs de la gauche caviar et à jouer au mauvais Hemingway. Ceux-là, ici ou ailleurs, qui s'acharnent à briser l'élan citoyen par une pensée pervertie par la frustration de ne pas exister par eux-mêmes et qui vont insister pour nous dire « Je vous l'avais bien dit que ça se passerait mal. Si on m'avait écouté, moi je... » Pauvre idiot. Crois-tu que nous ne le savions pas? Ne vois-tu pas le courage de ce peuple assassiné, qui sait qu'il tombe dans un piège, mais qui avance imperturbable? C'est cela le courage de ces hommes et ces femmes qui constituent notre nation. Le cœur de notre nation qui avance comme un enfant les mains ouvertes vers sa propre mort, en s'offrant en sacrifice pour la démocratie et non pour la démocratie. Des Macron et Castaner, les nouveaux bourreaux du peuple, que toi, traître, tu défends en ridiculisant l'action salutaire de ce peuple. Briseur de courage et de volonté, le peuple châtiera tes mauvaises actions. Si ceux-ci ne te jugent pas, la puissance des justes et qui est invisible à nous, les humains, cette puissance qui est invisible à nos yeux, le fera. J'ai 1000 choses à dire, 1000 larmes à verser, 1000 cœurs à soigner. Le peuple saigne et rares sont les philosophes, intellectuels, artistes qui viennent le soutenir. Où sont-ils ? Toujours à se faire admirer par le peuple à Cannes? Et là, il n'y a personne? Il n'y a pas un bruit? Des vieux artistes seulement, comme Pierre Perret, le courageux? Ou Jean-Jacques Goldman? Où sont les autres? On ne vous entend pas. Vous avez peur pour vos petits contrats? Ah, l'oligarchie, elle est bien présente auprès de vous, qui vous manipule et vous qui manipulez le petit peuple. Où sont les écrivains médiatisés, les journalistes engagés, les hommes et les femmes politiques, en dehors des arrivistes qui s'immiscent comme des sangsues pour dire qu'ils étaient là? Non, les héros ont quitté la France, assassinés par le pouvoir, ou désespérés de ne plus pouvoir. J'ai vu cette nuit la photo bouleversante prise hier, le 24 novembre 2018, d'un homme d'un certain âge de dos, avec sa casquette en laine sur le chef. L'homme est accablé par la vie, par cette situation désastreuse, qui marche seul, tête baissée. Était-il retraité? En passe de l'être? Nul ne le sait. C'est une image forte, chargée de sens et d'émotion. Ça, c'est maman qui appelle parce que je dois l'appeler, mais je l'appellerai après. Derrière lui, des jeunes agressés subissant l'assaut d'un jet de ce tank à eau qui vise des individus innocents qui gesticulent leur colère
Est-ce toi, président de pacotille? Est-ce toi qui as ordonné ce crime contre le peuple? J'ai visionné avec horreur une vidéo désormais censurée. Ah, il perd pas de temps, le Macron. Une de ces vidéos comme celle que l'on voit sur les zones de guerre, dans laquelle un homme en gilet jaune, debout et paisible dans la nuit sur les Champs-Élysées, il faisait une photo avec son téléphone portable. C'était une cible idéale. Il ne bougeait pas. Il s'est fait abattre. Il s'est écroulé après un tir de la police. Un tir de ces citoyens qui servent l'autorité avec la fidélité des crétins, qui s'offrent à l'ogre, qui aiguisent ses couteaux avant de passer à table. Là, j'ai un témoignage de Sandrine S. Je ne veux pas dire les noms des gens pour pas que la maudite police de Macron fasse son sale travail, cette sale besogne d'aller châtier les gens parce qu'ils disent la vérité. Il y a deux morts sur les champs. Un s'est effondré après un tir de flashball dans la tête et l'autre s'est fait écraser avec le camion bouclier. À la Madeleine, un mec a perdu son œil. Il est carrément sorti de son orifice. Je suis choqué. Nous sommes tous assis par terre. À chaque fois, il venait juste pour nous défoncer, tant qu'on ne bougeait pas. J'étais à la Madeleine, Concorde et Bastille. Il n'y avait aucun casseur avant qu'on se prenne des grenades de lacrymo dans tous les sens. Ah, c'est pas BFM qui va vous dire ça. C'est même pas Antenne 2. C'est même pas TF1. Et on paye une redevance pour cette putain de Babylone que l'on appelle la presse. Même Le Monde, le journal Le Monde. Mon Dieu, mais son créateur, hein, Plastane Blanchet, doit se retourner dans sa tombe. Il doit se retourner dans sa tombe. Cet homme est mort sur les Champs-Élysées, qui sont le lieu des enfers grecs, où les héros et les gens vertueux goûtaient le repos après leur mort. Que ce héros soit salué, et qu'ils reçoivent ici tout notre respect. Tout le respect à ce Gavroche adulte, tombé pour la patrie. Et vous, les Parisiens du 16e, qui allez cracher sur les gilets jaunes, ne voyez-vous pas que les gilets jaunes défendent vos droits? On vous a entendu dans les cafés. On vous a entendu vous plaindre, en disant que c'est provinciaux qui viennent foutre la merde à Paris. Mais vous vous prenez pour qui? Vous, les parigots, vous êtes qui? Vous êtes aussi des citoyens. Ils se battent pour vous, ces gens-là. Et vous leur crachez à la gueule. Honte sur vous. Citoyens, je ne sais qui tu es, mais aujourd'hui tu manques à des êtres que tu aimais et qui t'aimaient. Et ton assassin, je le pointe du doigt. C'est Emmanuel Macron et son suppôt, Castaner, dont les noms sont entrés cette nuit dans l'histoire des bourreaux du peuple de France du 21e siècle. Ils feront désormais face à jamais à l'opprobre et aux huées de cette haine justifiée du peuple. Pour toi, victime héroïque, j'ai cherché ce morceau d'anthologie. Excusez-moi, ça me bouleverse. Écrit par le plus grand des poètes, qui me fait monter les larmes à chaque fois que je le lis. Ça vaut aussi pour celui qui a été écrasé. Hein. Et je vous rappelle qu'en Chine, à Tiananmen, tout le monde était debout pour soutenir cet étudiant qui a finalement été pendu. Il était devant le char. Tout le monde a trouvé abjecte l'attitude des Chinois. Et là, qu'est-ce qu'il fait, Macron? Il fait pareil, il fait même pire, parce que lui, il les tue sur place. Le 5 juin 1832, une manifestation républicaine est organisée à l'occasion des funérailles du général Lamarque, député de gauche populaire. Ces funérailles se terminent par une émeute violemment réprimée par le pouvoir. Victor Hugo rejoint la barricade de la rue de la Chanvrerie, dans le quartier des Halles. Les principaux personnages du roman sont Jean Valjean, Cosette, Marius, Javert, qui seront tous deux sauvés par Jean Valjean lui-même, et le petit Gavroche, qui a 12 ans, le fils des affreux Thénardier, cet enfant feu follet qui quitte l'abri de la barricade sous la mitraille pour aller récupérer les cartouches sur les morts. Les gardes nationaux le prennent pour cible, alors que ses camarades insurgés, derrière la barricade, suivent la scène avec angoisse. Comme nous,
Nous avons suivi, hier, derrière nos écrans d'ordinateur, les vraies informations, celles que toi, Macron, tu as fait cacher au peuple de France. Tu as dissimulé. Le spectacle était épouvantable et charmant. Gavroche, fusillé, taquinait la fusillade. Il avait l'air de s'amuser beaucoup. C'était le moineau becquetant les chasseurs. Il répondait à chaque décharge par un couplet. On le visait sans cesse, on le manquait toujours. Les gardes nationaux et les soldats riaient en l'ajustant. Tes policiers, ils ont rié en ajustant cet homme, en écrasant cet autre. Ils ont ri, ils se sont amusés. Il se couchait, puis se redressait, s'effaçait dans un coin de porte, puis bondissait, disparaissait, réapparaissait, se sauvait, revenait, ripostait à la mitraille, par les pieds de nez, là. Voilà, ça c'était Gavroche. Et cependant, pillait les cartouches, vidait les gibernes et remplissait son panier. Les insurgés, haletant d'anxiété, le suivaient des yeux. La barricade tremblait. Lui, il chantait. Ce n'était pas un enfant. Ce n'était pas un homme. C'était un étrange gamin fée. On eût dit le nain invulnérable de la mêlée. Les balles couraient après lui. Il était plus leste qu'elle. Il jouait on ne sait quel effrayant jeu de cache-cache avec la mort. Chaque fois que la face camarde du spectre s'approchait, le gamin lui donnait une pichenette. Une balle pourtant, mieux ajustée, ou plus traître que les autres, finit par atteindre l'enfant feu follet. On vit Gavroche chanceler, puis il s'affaissa. Toute la barricade poussa un cri. Mais il y avait lenté dans ce pygmée. Pour le gamin toucher le pavé, c'est comme pour le géant toucher la terre. Gavroche n'était tombé que pour se redresser. Il resta assis sur son séant. Un long filet de sang rayait son visage. Il éleva ses deux bras en l'air, regarda du côté d'où était venu le coup et se mit à chanter. Je suis tombé par terre. C'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau. C'est la faute à... Il n'acheva point. Une seconde balle du même tireur l'arrêta court. Cette fois, il s'abattit, la face contre le pavé, et ne remua plus. Cette petite grande âme venait de s'envoler. Victor Hugo, Les Misérables, 1862, La mort de Gavroche. Je vous demande de méditer là-dessus. Et surtout vous, assassins policiers, CRS criminels, surtout vous. Parce que c'est le peuple que vous assassinez. Tous les gens que vous matraquez, tous ces jeunes hommes, ces jeunes femmes, ces personnes âgées, ce sont des gavroches, ce sont nos gavroches. Chaque âme qui meurt est une grande âme. Et je salue ces gilets jaunes par ce texte qui touche au sublime, le drame de la vie citoyenne, brisée par le pouvoir injuste des puissants et des intérêts politiques et économiques cannibales. La logique voudrait que le gouvernement Macron démissionne après la manigance organisée par lui-même sur les Champs-Élysées hier. Car ce ne peut être que lui qui a appelé son armée des ombres, les Black Blocs, pour détruire les champs au nom des Gilets jaunes. Des professionnels de la guérilla urbaine, organisés, violents, et combien de policiers en civil parmi eux, de traîtres à la nation, combien? Sous les masques se cache la même face, celle du pouvoir et de la manipulation. Les Gilets jaunes ne portent pas de masque, c'est le même visage, celui de la souffrance, et de l'épuisement face à l'ordure d'un monde qui le réduit à une peau de chagrin. Il n'en peut plus de rétrécir, il n'en peut plus de souffrir. Son âme ne supporte plus son emprisonnement. Elle doit s'exprimer. C'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'ils font admirablement. Parlons à présent de l'article 68 de la Constitution de la Ve République. Parlons-en. C'est évoqué par M. Asselineau et l'UPR. Et à cela, j'ai des choses à ajouter. Ça me fait penser un petit peu, venez me chercher.
Venez me chercher. Je suis protégé, mais venez me chercher. Ça, c'est les courageux du discours. Deux points, ouvrez les guillemets. Vous trouverez ces références dans Wikipédia. Le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement, constitué en haute cour. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron a manqué hier à ses devoirs en refusant d'écouter le peuple et en créant un état d'urgence par l'initiation d'une guerre civile. Il est devenu manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Je reprends le texte. La proposition de réunion de la haute cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les 15 jours. Alors, en apparence, tout va bien. Tout est possible. Mais peut-être que M. Asselineau aurait dû signaler que la haute cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale et que le président de l'Assemblée nationale est M. Richard Ferrand, anciennement M. de Rugy, qui est au gouvernement Macron. Et M. Richard Ferrand, qui est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale et qui succède donc à François de Rugy, aujourd'hui ministre du gouvernement, En Marche, celui qui vient nous dire « c'est pas la rue qui fait la loi », non, c'est des gens comme lui. M. Richard Ferrand est un fidèle d'Emmanuel Macron. Doit-on le signaler ? La haute cour statue dans un délai d'un mois à bulletin secret sur la destitution du président. Sa décision est à effet immédiat. Mais comment ? Expliquez-moi, comment le président de la haute cour au Parlement va-t-il destituer son camarade Emmanuel Macron ? Monsieur Asselineau, êtes-vous sérieux ? C'est une question que je vous pose, c'est tout. Parce que c'est bien d'annoncer les choses, mais annoncez-les complètement. Ne nous prenez pas pour des idiots. Comme on peut le constater, nous sommes trahis par nos propres institutions, car M. Richard Ferrand ne soutiendra vraisemblablement jamais la destitution de son ami, le président Emmanuel Macron, entre présidents. On se comprend. Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l'Assemblée concernée, évidemment, ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou de la destitution. Une loi organique fixe des conditions d'application du présent article, l'article 68 de la Constitution. Voilà également pourquoi le peuple doit destituer le Parlement qui est parti pris pour le pouvoir en place. Étrangement, M. Asselineau, qui en appelle à cet article, n'est pas sans ignorer qui préside le Parlement et pourtant il n'en parle pas. Pourquoi ? Je vous laisse juge. Il y en a marre. Il y en a marre. M. Asselineau, vous êtes président d'un parti. Eh bien, demandez à tous vos adhérents, faites une pétition. Peut-être que c'est le cas, je ne suis pas encore informé. Faites une pétition pour réclamer ce que vous demandez. Il ne faut pas se cacher derrière les articles et laisser agir les autres. Maintenant, j'ai quelques témoignages. On va déjà commencer par un témoignage audio. Attendez. Hello, hello, bonjour. Voilà, je suis en direct de l'étranger et je voudrais faire appel en fait à tous mes collègues de France. Alors je vous signale qu'il s'agit d'un policier, mais ça a été vérifié, c'est un vrai policier, qui témoigne de l'étranger et il a une cagoule pour pas être reconnu évidemment parce que sinon, comme il y a déjà deux de ses collègues qui ont été, qui se sont suicidés, il n'a peut-être pas envie de se suicider non plus. Pour réunir en fait tous mes collègues afin de rejoindre le mouvement des Gilets jaunes, j'ai un petit peu honte en fait de ma profession quand je vois que mes collègues en France sont en train de gazer en fait des gens qui sont en train de se battre pour avoir des avantages. Rappelez-vous les gars qu'on n'a aucun moyen dans la police, que les véhicules ils sont pourris, que les primes elles sont de plus en plus basses, que les conditions de travail sont de plus en plus pourries, qu'on se fait caillasser toutes les 5 minutes. Il faut défendre ce peuple qui est avec nous.
Ok, il y a des casseurs et tout ça, d'accord, je vous comprends, il faut faire votre travail. Mais à côté de ça, il y a des gens comme vous qui galèrent chaque mois. Il faut se réveiller, les gars, gendarmes, brigadiers, gardiens de la paix. Il faut se réveiller, les amis, il faut vraiment se bouger maintenant. J'ai honte vraiment de mon boulot, je crois que je vais démissionner parce que quand je vois ça. Bon là, c'est une pub. La vidéo revient dans 12 secondes, pardonnez-moi, mais c'est comme ça. Une petite pub. Bon, il est très ému, hein, ce policier, très ému. Je vois des collègues qui obéissent à des ordres de merde. Réveillez-vous, réveillez-vous. Vous voyez bien qu'à la fin du mois, on galère comme tout le monde. On galère comme tous ces gens qui sont en train de se battre pour nos avantages, pour les avantages de nos enfants. Faut se réveiller, les gars. Faut se réveiller, il faut vraiment se bouger le cul maintenant. Venez avec le peuple, venez avec le peuple. Je suis dégoûté, je suis loin et je ne peux pas rejoindre ce mouvement. Je suis de l'autre côté de la planète, je ne peux pas vous rejoindre. Là, je cache ma tête pour ne pas avoir trop d'emmerdes parce que je suis encore au ministère de l'Intérieur, tu vois. Donc, je me cache un petit peu. J'ai pas mis mon RIO, toi, j'ai pas mon RIO. J'ai pas mis mon badge, tu vois. Par contre, j'ai mis un petit écusson pour montrer que c'est pas un fake. C'est pas un fake, cette vidéo. Je suis vraiment dans la police, je suis vraiment. Je suis vraiment un ouvrier, en fait, comme tous mes collègues qui se battent dans la rue, là. Vraiment, réveillez-vous, rejoignez ce mouvement, il faut que ça bouge à Paris aujourd'hui. Il faut que ça bouge, les gars. Réveillez-vous, vraiment, j'ai envie que le peuple soit uni, j'ai envie que les forces de l'ordre se mettent avec tous ces gens qui galèrent. Réveillez-vous un petit peu, s'il vous plaît. Il faut vraiment que ça bouge maintenant, il faut que ça change les choses. Il ne faut pas attendre le discours de l'autre pingouin, là. Il ne faut pas attendre son discours, il va encore nous endormir, comme il nous endorme tout le temps. Regarde, t'as vu, j'ai mis mon drapeau de la France. Je suis dans la chambre de mon fils et je fais juste une petite vidéo pour dire que voilà, il faut que ça cesse, il faut que ça se réveille, les amis. Donc maintenant, bougez-vous. Il n'y a pas vraiment de mots, tu vois. Quand on fait une vidéo comme ça, ça vient pas. Le texte ne vient pas. C'est pas quelque chose d'écrit comme tous ces politicards. C'est quelque chose qui vient du cœur et on a envie de dire qu'il faut que ça change. Donc bougez-vous, bougez-vous. J'espère vraiment que cette vidéo, elle va circuler et s'il faut, j'en ferai encore plein d'autres. Je m'en fous, je suis loin, je suis intouchable. Maintenant, j'espère que là-bas, ça va bouger et que vous allez rejoindre. Rejoignez le peuple, les gars. Rejoignez le peuple. Regardez, pensez à vos conditions de merde. Ok, vous êtes avec des lance-eaux sur les Champs-Élysées, vous êtes avec les grenades lacrymogènes et encore, vous allez être en rupture. Vous allez voir, ils vont vous la mettre dans l'os. Ils vont vous la mettre dans l'os. Réveillez-vous. Franchement, il faut rejoindre le peuple et penser à tous les inconvénients que vous avez à la fin du mois. Regardez tous les collègues qui sont en arrêt maladie. Tout le monde pète un câble. Tout le monde change de bureau, il y en a qui vont à l'OMP, il y en a qui vont aux plaintes, ils n'en peuvent plus, ils veulent même plus être sur la voie publique, on se fait défoncer tous les jours, il n'y a plus de moyens, les voitures elles sont pourries, les armes elles sont même pas contrôlées, on est en rupture de... Voilà. Voilà le témoignage d'un officier de police qui est avec les gilets jaunes et qui les soutient. Vous vous ferez votre opinion. Bon, je l'ai posté sur ma page Facebook, je ne sais pas combien de temps elle va rester, parce que je serai censuré comme tout le monde. Il n'y a pas de raison, hein. On est dans un monde épouvantable avec ce sale type au pouvoir, ces sales types, parce que c'est une bande de sales types. J'ai un ami qui m'a écrit « On n'est pas beaucoup entre qui on peut parler de toutes ces choses sans passer pour un fou. Je ne sais pas où l'on va, mais on y va. Ça ne va pas être drôle. J'étais sur une manif rond-point sur Célestat. » Et on est appris des choses, surtout par les camionneurs qui ramènent des nouvelles de partout. Il y a énormément de censure. À un endroit, des soldats de l'armée qui avaient un gilet jaune et qui ont été arrêtés par des gendarmes ont même castagné toute une équipe de CRS qui était avec les gendarmes. Il y a de la division donc dans les forces. Cela a été filmé et très vite censuré. Un camionneur qui était là sur le rond-point a vu la vidéo. Bon, je ne vais pas donner son nom, c'est un ami, il se reconnaîtra. Je n'ai pas envie de donner les noms pour que ces gens-là ne soient pas embêtés. Un autre témoignage d'une femme, d'un couple. On est rentré d'une nuit passée avec les gilets jaunes. J'ai beaucoup partagé toutes sortes d'infos sur Facebook cette dernière semaine afin d'encourager le mouvement. Habitant un lieu dit, loin de toute civilisation, je ne sentais pas la solidarité réellement. J'avais besoin de rencontrer les gilets jaunes, les personnes, le moral de ceux qui sont au front. Alors, avec mon mari, on a fait garder notre fils et nous sommes allés les voir. Finalement, nous sommes restés toute la nuit. C'est vraiment incroyable. Que ça fait du bien. On a rencontré tellement de personnes différentes et unies pour les mêmes causes.
Les automobilistes étaient super. Ils nous criaient leur soutien, parfois s'arrêtaient boire un café, discutaient, les personnes qui ramènent à manger, à boire pour ceux qui sont là, dans le froid, sous la pluie. Et là, je voudrais vous apporter un témoignage. Vous dites que les musulmans ne participent pas aux gilets jaunes, vous vous trompez. J'ai une amie qui a vu des femmes musulmanes apporter des tagines à manger à ces gens-là, à nos frères citoyens, les gilets jaunes. Alors ne dites pas que les musulmans ne participent pas. Ils participent comme les autres. Il n'y a pas marqué musulmans, hein, sur leur visage. Donc ne jugez pas, je vous en prie. Respectez. Ce message est pour ceux qui ne se rendent pas compte. Loin de cette agitation, trop près de leurs écrans, où la manipulation médiatique et politique est vraiment présente. Un conseil qui vaut tout l'or du monde. Allez-y, quelques minutes, quelques heures, quelques jours, mais allez-y. Cela fait tellement de bien d'être entouré, porté par cette énergie puissante et positive. De savoir qu'on est vraiment tous d'accord, ensemble. Je dis bravo au peuple dont je fais partie, celui qui se bat pour ses droits. Et merci. Une immense gratitude à chacun d'entre vous. Un autre témoignage de quelqu'un qui était présent sur les Champs-Élysées hier, publié à 16h. Alors, on vient d'écouter les infos, radio et télé. Castaner veut faire le malin et détourne tout à son idée. J'y étais à 8h. Ils nous ont laissé passer jusqu'à la Concorde. Une centaine de personnes, les trois quarts en gilets jaunes. Devant chez Macron, des flics de partout. Petit à petit, vers 9h, on n'était pas loin de 100. Et là, sans prévenir, ils nous ont gazés et coursés. Pourquoi nous avoir laissé passer? C'était prévu, c'est sa méthode. Il dira que c'est nous qui avons commencé, c'est faux. On est remonté sur le milieu des champs. Des milliers de gilets jaunes arrivaient de partout. Ils ont regazé, et là, c'est parti en vrille. Alors oui, des jeunes et moins jeunes ne se laissent pas faire. Mais Castaner a tout manipulé. J'ai des photos de ces chiens de garde à 8 heures qui ont enfilé des gilets et se sont mis dans les manifestants. C'est eux qui ont provoqué les forces de l'ordre. Les gens étaient calmes. Et c'est parti très vite, en baston. Donc pour moi, tout est prévu. Ils provoquent, ils gazent, vont dire que c'est manipulé par des extrêmes. Je peux vous dire que je suis en plein dedans. Et je n'ai vu que des Français moyens, calmes, déterminés, oui, mais calmes. Ils ont réussi à faire peur aux gens de venir. Pourquoi nous ont-ils laissé passer? Posez-vous la question. Et là j'interviens. Ils ont enfermé les gens dans les trains. La SNCF, les syndicats de la SNCF ont été complices. Les bus, pareil. Ils ont empêché les gens de venir à Paris. Mais ceux qui sont là sont comme vous et moi. Alors ne croyez pas la soupe à la macronerie. Depuis le début, ils se servent de ça pour décrédibiliser le mouvement. Qu'ils regardent plutôt la France. Partout, des gens se mobilisent. Et ça, ils ne veulent pas en entendre parler. J'ai 60 ans. Je ne suis pas un extrémiste ni un casseur. Je suis là pour que les jeunes, les travailleurs, les artisans, les infirmiers, infirmières, les policiers, les chômeurs aient une vie meilleure et que l'argent que l'on paye avec nos impôts serve à la planète, à l'égalité sociale, à la recherche, aux plus pauvres, pas pour enrichir encore et encore cette classe supérieure, ces multinationales pollueuses, ces banques qui nous endettent. Me faire gazer 4 fois ce matin, ça me fout la rage. Merci aux jeunes qui nous ont aidés. Ils parlent de casseurs depuis 8 heures. Aucune vitrine, aucune casse, rien. Les barricades, c'est les jeunes pour nous protéger, nous les vieux. Merci à eux. Castaner, Macron, menteurs, manipulateurs. Si ça finit mal, ce sera à cause de vous. Les vrais casseurs vont venir. Et je pense que c'est le plan de Castaner. Il dira, voilà, je vous l'avais dit. Courage à tous, les manifestants de France. On lâche rien. Partagez en masse. Ne vous laissez pas manipuler. Merci. Merci, monsieur. Alors, la voilà, la France. Ça, c'est la France que j'aime. Et pour laquelle j'écris. Et pour laquelle je me bats. Alors, moi, j'écris. Je suis debout depuis 4 heures du matin. Et j'ai écrit mon texte. Oui. Parce que le sujet est trop important pour commettre d'erreur. Comme le disait ce policier, si on se laisse porter par son émotion, eh bien, on se trompe, on dit des bêtises. Et après, on va dire des choses qui vont se retourner contre nous. Alors que ce n'est pas notre intention. Mon travail, c'est l'écriture. C'est mon métier. Alors c'est pour ça que j'écris et que je prépare toujours mes capsules. Sauf mes sans filet. J'ai une information aussi à vous donner. Publiée par le quotidien Valeurs Actuelles, ou c'est un hebdo, je ne sais plus. Valeurs Actuelles, le club. Moi, je ne lis pas la presse en général.
Je lis la presse étrangère. Sachez que le pacte mondial sur les migrations ou comment l'ONU impose un monde sans frontières va être signé par le président Macron. Le pacte mondial des Nations Unies pour des migrations sûres, ordonnées et régulières sera signé le 10 et le 11 décembre par la France et 189 pays au nom des droits de l'homme. L'ONU impose sa vision d'un monde sans frontières où les migrations seraient inéluctables et constitueraient forcément un bienfait pour les pays d'accueil. Alors, les gilets jaunes se battent pour de meilleures conditions de vie. Des gens qui travaillent au quotidien, tous les jours, se retrouvent incapables de se trouver un logement et dorment dans leur voiture. Ça existe, c'est pas une majorité, mais il y en a. Des milliers de migrants arrivent en France. On est incapable de les loger dans de bonnes conditions. Incapable. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Si même les gens qui travaillent ne trouvent pas à se loger, si même les gens qui travaillent ne trouvent plus à payer leur loyer parce qu'il faut nourrir les enfants, qu'est-ce qui va se passer avec ces gens-là? Qui va payer pour ces migrants? Qui viennent d'où? D'Afrique. Pourquoi ils viennent d'Afrique? Parce que la France et les pays occidentaux ne cessent de piller et de semer la pagaille en Afrique en semant les guerres, en finançant les bandes rivales, en finançant les clans, juste pour pouvoir piller les ressources de l'Afrique. Parce que s'il existe aujourd'hui un pays qui est riche, c'est l'Afrique. Et évidemment, on se demande, mais comment se fait-il que l'Afrique soit si misérable? Eh bien, si l'Afrique est misérable, c'est parce que nous, les colonialistes, nous avons pillé ce pays. Et que ces gens qui sont trop pauvres chez eux, préfèrent être pauvres chez nous que chez eux. Or, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut redonner le pouvoir aux Africains. Il faut leur permettre de bénéficier de leurs propres ressources pour pouvoir exister, pour pouvoir vivre, pour pouvoir produire et gagner de l'argent avec leur propre production. C'est cela que nous devons faire. Alors les Africains ne viendront plus en France. Et notre devoir, c'est de les aider et de les accompagner. Pas de favoriser ces plans odieux, l'agenda 21. Parce que ça va au-delà. Ça va au-delà de ce qui est écrit. Sachez-le. À cela, je répondrai à quelques messages d'insultes habituelles, comme quoi Philippe-Alexandre Jandrock serait corrompu. Ben, je vous écoute. Corrompu par qui? Corrompu par quoi? Oui, je suis corrompu. Je suis corrompu par la vie. Je suis corrompu par l'amour que j'ai pour l'humanité. Je suis corrompu par l'espoir que j'ai de sauver les enfants de France et du monde à travers mes livres. Elle est là, ma corruption. J'en ai assez d'entendre toutes ces méchancetés, tous ces mensonges de ces faux sonneurs d'alerte, de tous ces imbéciles qui les répètent. Un autre imbécile répétait, oui, Jandrock a plagié un livre. Quel livre ? Toi, le crétin qui a dit ça, dis-moi le livre que moi j'ai plagié. Pauvre con. J'en ai ras-le-bol aussi. Il y en a marre. Moi aussi, je peux péter un câble. Et il ne faut pas être à côté de moi quand ça se passe. Ça suffit, il y en a assez. Vous êtes les mêmes qui critiquez les gilets jaunes. Vous êtes les mêmes qui vous frottez les doigts, les mains, comme ça, quand il y en a un qui se fait abattre et un autre qui se fait écraser, en disant « Oui, moi, je vous l'avais bien dit ». Imbécile! C'est honteux! C'est honteux! Alors vous me dites, oui, Jandrock il a peur de faire des lives. Jandrock il a peur de rien. Il a pas peur de faire des lives. Putain, je suis menacé par Big Pharma en permanence parce que je les dénonce! Et vous croyez que j'ai peur de vous? Vous êtes des imbéciles, vous ne comprenez rien. Je ne veux aucune malveillance sur mes pages ou dans mes lives. Je n'en veux pas. Je suis prêt à tous les dialogues. Mais les dialogues malveillants, les attaques des vaxeuses, de mon frère, de tous ces gens-là, ça suffit. Parce que ce sont des attaques infondées, fondées sur la méchanceté et le mensonge. Alors oui, j'interdis toute méchanceté. J'interdis toute insulte, j'interdis tout racisme sur ma page. Et bientôt je ferai un live, oui, pour présenter mes livres. Je le ferai.
Mais je le ferai quand ça sera calmé. Parce que je ne veux pas profiter de cette situation. C'est trop grave. C'est trop important. Alors s'il vous plaît, fiez-vous à votre cœur. Fiez-vous à vos propres opinions. Au lieu d'écouter ces menteurs, ces voleurs d'idées, ces pilleurs, ces plagieurs, ces ordures. Soyez fidèles à vous-même. Ceux qui me connaissent le savent. Ils savent que je suis d'une probité, d'une honnêteté. Ils le savent. Et oui, moi, j'ai de l'honneur, contrairement à eux. Alors ça commence à bien faire. Je vous demande, vous qui me suivez, défendez mon travail. Parce que ce travail, c'est pas le mien. Il est à vous. Il est pour vous. Il est pour vos enfants. Il est pour votre santé. Et après, quand vous vous ferez vacciner contre l'hépatite B, ou contre n'importe quel autre vaccin, le tétanos ou je ne sais quoi, et que vous vous retrouverez paralysé, vous vous direz, ah ben mince, si j'avais écouté ce type, eh ben peut-être que je serais pas dans une chaise. Oui, peut-être. Peut-être. Et moi, pour écrire tout ça, c'est 15 heures par jour. Sans discontinuer. C'est des insultes, des mensonges. Tout ce que vivent actuellement les gilets jaunes, je l'ai vécu avant eux. Donc je les comprends mieux que personne. Et tous ceux qui les critiquent, c'est la Bastille. Tous à la Bastille. Et puis on les enferme. Au cachot, au pain sec et à l'eau. Bon. Excusez-moi. Un petit coup de gueule en passant. Bon. Les gilets jaunes, je suis avec vous de tout cœur et je vous défendrai corps et âme. Enfin, pour l'instant, c'est plutôt âme, parce que pour écrire, ça prend du temps. Mais je serai votre porte-parole si c'est nécessaire. S'il faut parler pour vous, je parlerai pour vous, je ferai des vidéos pour vous, comme je le fais maintenant. Et je continue. Vous avez toute mon amitié et tout mon soutien. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous demande de m'excuser pour ce coup de gueule. Mais parfois, j'en ai ras-le-bol. Moi aussi. Et les morts de cette nuit, ça m'a bouleversé. Ça m'a bouleversé. Excusez-moi, j'ai le droit d'être bouleversé. Moi aussi. Parce que moi, j'ai de l'empathie pour l'humanité. Contrairement à d'autres. Donc, je me suis laissé aller, je vous demande pardon. Ne retenez que les gilets jaunes, c'est le plus important. Retenez Victor Hugo, relisez Victor Hugo, inspirez-vous de Victor Hugo. Il a dû s'exiler pour ses paroles. Il a dû quitter le pays. J'espère ne pas avoir à le faire. De tout cœur avec vous, les gilets jaunes, mes amis fidèles, mes amis eux, mes amis IS, ma louloute, mes chiens, ma famille, mes enfants, tout le monde. À vous. Salut.